bonjour tout d'abord. Je crois que c'est un peu comme tout le monde, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les seules sorties qu'on s'autorise, c'est pour faire les courses. Voilà. Pour le reste, je reste confiné, reste à la maison. Voilà. Tranquillement, patient. Moi, j'habite pas en France. J'habite en Asie, moi. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu un décalage entre la première date de confinement. Bon, il y avait toujours des vols et tout d'un coup, ben, les vols se sont arrêtés et moi, j'ai pas pu rentrer en Asie. Donc voilà, pour je suis resté à Alger, il n'y a pas de souci. Ben, c'est un peu notre ennemi, le temps. Voilà. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour faire attention, pour prendre le minimum de risques. Et c'est compréhensible. Que ce soit sur les personnes âgées, sur les enfants. Quand j'ai l'occasion de sortir faire les courses, la plupart des gens, on garde notre distance, on a le masque, donc tout le monde a bien compris l'importance de cette situation. Après, en tant qu'être humain, c'est compliqué parce qu'on a des activités, on a plein de choses, mais si on met d'un côté la santé, de l'autre côté ce qui peut nous arriver, le choix est vite fait. Ben, on a l'application WhatsApp avec le staff et les joueurs. Tous les jours, ils ont le programme d'entraînement. Je pense sincèrement qu'ils le font. Après, c'est compliqué parce qu'il y en a qui doivent habiter en maison, d'autres en appartement pour sortir. Est-ce qu'il y a un lieu, un endroit pour courir pour, Donc c'est compliqué à eux de trouver la solution. Sachant qu'ils savent très bien que dès qu'il y aura une date de reprise, il y aura des tests physiques qui pourront nous permettre, nous, en tant que staff, de voir s'ils ont effectivement respecté les consignes. Moi, je pars du principe, j'ai été pro pendant 18 ans, d'accord ? Au bout d'un moment, c'est dans notre ADN, ça nous manque. Donc, que ce soit, bon, là, il y a de la course, mais... que ce soit même pendant les vacances, vous avez besoin de courir, faire du tennis, enfin vous avez besoin, votre corps vous demande parce que c'est dans notre ADN. Donc je ne me fais pas de soucis, celui qui n'a pas compris ça, je pense qu'il perdra beaucoup de choses. Bah, on fait pas mal de séances à la maison, c'est-à-dire que c'est du renforcement musculaire, du travail musculaire, le travail de course, bien sûr, il n'y a pas le choix, à moins qu'il y en a qui ont des tapis roulants. C'est possible aussi, ou un vélo d'appartement, on peut faire de la résistance. On fait système D, c'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance. Après, ils peuvent aussi sortir peut-être dans la rue, trouver un endroit. S'ils ont des escaliers chez eux, enfin voilà, c'est à eux de trouver la solution. On leur donne vraiment tous les moyens pour rester le plus compétitif possible, même si on sait que ça sera que le minimum. Mais ils sont éparpillés en Algérie, donc voilà, la confiance, là, on n'a plus à faire aux joueurs, on a affaire à l'homme, donc on est obligé de faire confiance. Ben moi, j'aimerais bien, mais j'aimerais pas qu'on reprenne sans supporter. Voilà, parce que le sport, c'est un partage. Au-delà de l'aspect privé, les gens souffrent ou sont confinés et sont confinés, mais si on fait une réouverture du football, il faut que ce soit un partage. Voilà. Parce que si on fait, le problème c'est que si on refait le football, ça veut dire que les joueurs auront été testés aussi, d'accord ? Je vois pas pourquoi on testerait les joueurs et pas les gens, voilà. On ne doit pas être privilégié sur des choses comme ça. Oui, c'est y a plusieurs possibilités. Certains pays commencent à parler de déconfinement. Je crois qu'en Autriche, en Allemagne, en Autriche, ça a été ouvert aujourd'hui. La seule chose à faire attention, c'est la deuxième vague. Voilà.
Et je vous disais tout à l'heure, par exemple, le Hand en France ont décidé de valider le classement actuel pour repasser la nouvelle saison et laisser les joueurs en dehors de ça. Au-delà de la décision de la fédération, il faudra que ce soit aussi un compromis entre les présidents. Ah, on va pas cracher dessus non plus. Après, il faut être honnête, il faut que les présidents soient honnêtes. Mais là, on parle de santé publique, c'est important. Ben, j'ai quelques amis algériens en France qui communiquent. Moi, je disais qu'il y avait beaucoup de respect sur les consignes, franchement. Ça se passe très bien. Voilà. Je sais que c'est dans le monde entier. Hein. La patience, la compréhension. On travaille toute l'année pour le bien de notre famille. C'est peut-être pas une chance d'être au quotidien, mais c'est de retrouver certaines valeurs et puis faire confiance aux gens qui vont décider de la fin du confinement, partiel ou total. C'est des gens qui sont aptes à faire ça, donc prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Ben, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aimerais pas qu'on reprenne sans les supporters. Voilà, donc au-delà des supporters, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. La santé, voilà, qu'on se retrouve le jour J, qu'on se retrouve tous en bonne santé et qu'on reprenne la compétition et qu'on la termine bien.